Aujourd'hui, 8 mai à Gap, 70e anniversaire du 8 mai 45, retour en images. Ça représente aujourd'hui pour vous le 8 mai? Ça représente la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour vous, vendre des bleus, c'est une forme d'engagement? Oui, un peu. Enfin, ça sert. C'est pour les anciens soldats. Allez, donc je suis avec un lieutenant des chasseurs alpins. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce 8 mai? Alors le 8 mai pour l'occasion est l'occasion pour tous les militaires, mais surtout pour tous les citoyens français, de commémorer donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'accord, en 1945, et donc de ne pas oublier que des milliers de civils et de militaires, français comme étrangers, sont morts pour la liberté et donc pour des valeurs. Et il est bon de le rappeler surtout de nos jours. Les gens ont tendance un peu trop à oublier ce qui s'est passé, et donc voilà, c'est pour faire vivre à travers les âges cette histoire. Je suis avec Roger Didier, le maire de Gap. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous ce 8 mai? Bien, écoutez, je crois que comme cela se fait chaque année, cette année pour la 70e fois, nous célébrons un jour qui, dans notre mémoire, doit être présent pour permettre à celles et ceux qui nous succéderont, aux générations qui n'ont pas connu la Deuxième Guerre mondiale, de se rendre compte combien d'hommes et de femmes ont payer de leur vie ce sacrifice pour que notre pays reste ce qu'il est, que la France demeure une grande nation avec beaucoup de ses concitoyens qui malheureusement, à l'occasion de ce deuxième conflit mondial, ont perdu la vie pour que la France vive.